Comme des loups qui rabattent un gibier, Hamilcar et Narravas poussent les mercenaires dans le défilé de la hache. Ils en bloquent les issues par des rochers lancés du haut des falaises. Spendius et ses hommes sont pris au piège. L'ennemi se contente de garder les hauteurs et d'attendre que la faim et la soif fassent leur œuvre. Attention, malheureux. Le cactus que tu as cueilli est sans doute empoisonné. J'ai vu des hommes se tordre par terre pour avoir mangé des plantes semblables. Donne-moi ce cactus que je l'examine de près. Tant pis pour toi. Je t'aurais prévenu. Thank you.
Melkart, de la viande encore chaude. Merci, Spendius. En échange, prends ces images précieuses que j'ai trouvées dans cette salle. Ses jambes se dérobent et il tombe pour ne plus se relever. La faim et la soif ont eu raison de lui.
Attention, malheureux. Le cactus que tu as cueilli est sans doute empoisonné. J'ai vu des hommes se tordre par terre pour avoir mangé des plantes semblables. Donne-moi ce cactus que je l'examine de près. Tant pis pour toi. Je t'aurais prévenu. Ah, Melkart, de la viande encore chaude. Merci, Spendius. En échange, prends ces images précieuses que j'ai trouvées dans cette salle.
Alerte ! Un espion s'est introduit dans le camp ! Multiples sont les voies qui mènent à la défaite. Spendius n'a commis qu'une seule erreur, mais elle suffit pourtant à entraîner sa mort et la ruine des espoirs de son camp. Dépêche-toi, c'est l'heure de la relève. Va prendre ton poste devant la tente des généraux. Malgré le danger toujours présent, Spendius goûte un instant de triomphe. Il a survécu aux privations, s'est échappé du défilé de la hache, s'est introduit déguisé dans le camp ennemi et espionne maintenant ses ennemis Hamilcar et Narravas. Il apprend par leur conversation que l'armée de Mato campe au pied des monts de la solitude. Elle est donc toute proche, mais, comme c'était prévisible, la position défavorable qu'elle occupe l'empêche de rien tenter. Son service terminé, Spendius s'éloigne pensivement. Mato ne peut prendre le risque d'attaquer. Sauf si un aventurier audacieux, infiltré dans le camp ennemi, lui offre une occasion immanquable.
Spendius provoque un incendie dans le parc des montures. Les éléphants dévastent le camp comme une marée furieuse. Le feu se propage de tente en tente. Des hurlements montent dans la nuit. De la plaine, Mato voit brûler le camp ennemi. Il saisit sa chance et monte à l'assaut. Amilcar meurt piétiné par ses éléphants tandis que Narravas prend la fuite. Privés de chef, les Carthaginois et leurs alliés se font massacrer. Mato retrouve Spendius sur les ruines fumantes du camp d'Amilcar. Il libère les survivants du défilé de la hache, puis marche sur Carthage. Carthage désespérée se tourne vers Moloch. Des centaines de victimes sont précipitées dans le ventre brûlant du dieu rouge. Repu, ce dernier accorde à la cité une aide surnaturelle. Les démons de pierre, juchés sur les remparts et les temples, s'animent pour combattre les mercenaires. La ville dispose encore de quelques troupes. Elle les masse derrière les statues vivantes et l'armée ainsi constituée sort pour livrer un ultime combat. Chez les mercenaires, Étrusques et Gaulois décident de combattre attachés à une chaîne de bronze. Ils s'interdisent ainsi toute possibilité de reculer. Mato brandit le zaïmph à la tête d'un détachement d'éléphants pris à l'ennemi. Tandis qu'il s'expose en première ligne, il laisse à Spendius le soin d'ordonner les troupes face à une armée carthaginoise où les hommes se mêlent aux démons. À la seule vue des démons, les parias tournent le dos. Les Étrusques et Gaulois placés en deuxième ligne enragent de voir leurs alliés se comporter de manière aussi lâche. Enchaînés et inébranlables, ils serrent les rangs afin de couper la retraite aux fuyards. Entre les démons et l'infanterie mercenaire, les parias se font massacrer. Leurs cadavres amoncelés ralentissent quelque peu l'avance des démons. L'infanterie civique subit de lourdes pertes face aux éléphants conduits par Mato. Voir le zaïmph aux mains du chef ennemi sape le moral des Carthaginois et précipite leur débâcle. Le zaïmph, emblème de Tanit, éveille la fureur des démons de Moloch. Ils se tournent vers les éléphants, ces derniers leur font face, et bientôt la lutte fait rage sans qu'aucun des deux adversaires ne se soucie de protéger ses flancs. Cédant pas à pas devant les démons, les éléphants cherchent dans la mer toute proche un refuge contre leur souffle enflammé. Puissants et stupides, les démons poursuivent leur ennemi jusque dans la mer. Le contact de l'eau anéantit ces créatures habitées par le feu.
destruction des démons brise le moral des Carthaginois. Dans le camp ennemi, c'est la débâcle générale. Les mercenaires remportent la victoire. Carthage a perdu sa dernière bataille. Abandonnée des dieux et des hommes, la ville tombe aux mains des mercenaires. Spendius savoure sa revanche. Dans la balance du destin, ses actes ont pesé plus lourd que toutes les ressources d'une cité millénaire. Ailleurs, dans la ville livrée au pillage, Mato et Salambo se retrouvent enfin. Gloire à Tanit, qui inspire et gouverne les amours des hommes.